Huguet Fraternité, tiens, je fais une petite vidéo sur l'hypersensibilité aujourd'hui. Je viens d'apprendre un truc aujourd'hui qui est une grande étape dans la compréhension de moi-même, dans l'acceptation de moi-même, dans ma relation envers les autres. C'est déjà d'une que je suis pas fou. Ça fait grave plaisir. Et apparemment, je suis un zèbre. Enfin, en tout cas, je suis hypersensible. Et que, en en parlant hier avec un pote qui m'a beaucoup aidé ces derniers temps, hein. Et en en parlant aujourd'hui avec une amie qui l'est aussi. Et qui vient demain pour qu'on en parle. Savoir ça m'apaise. Et enfin, c'est drôle. Enfin, c'est aussi drôle de m'en apercevoir maintenant. Au moment où j'ai fait l'acceptation de qui j'étais. Et l'acceptation d'ouvrir mon cœur et d'être heureux. D'apprendre que je suis pas fou et que je suis hypersensible. Que je suis pas seul dans ce cas-là. C'est pas moi qui est fou ou le monde qui est fou. Je suis juste différent. C'est cool. Ça m'aide à avancer. Un grand pas pour moi. Je bossais la question. Je rajouterai en description de cette vidéo le lien de deux vidéos que j'ai regardées qui m'ont un peu ouvert l'esprit sur mon état. J'ai l'impression que ces deux personnes-là parlaient de moi. J'ai tous les symptômes. Enfin, symptômes. Je suis hypersensible et c'est pas une maladie, déjà, d'une. C'est cool aussi. Je suis juste différent. Et que j'apprenne à accepter qui je suis et à vivre avec. Et voilà. Je vais approfondir le sujet de cette hypersensibilité, hyper-émotivité, hyper-empathie. Mais c'est quand même drôle que. Ouais. Que l'hypersensibilité, c'est pas une maladie. C'est génétique. De ce que j'en ai un petit peu lu là. Et que ça touche 15 à 20% de la population. Et que c'est un trait génétique. Et que si c'est un trait génétique, ça doit être un avantage dans la sélection, dans l'évolution humaine. Pour une certaine catégorie de la population. Pour notre espèce en tout cas. Il faut que je me serve de cet avantage. Au lieu d'en pâtir. Et c'est parce que je suis comme ça que je lutte. Déjà. Je serais pas hypersensible, je lutterais pas. Et c'est aussi drôle de voir que tout ce que je pensais être un travail de réflexion vers un aboutissement. N'est en fait qu'une acceptation de moi-même. La fraternité, c'est pas un objectif, la fraternité, c'est vital pour moi. En fait, comment je l'ai un peu interprété l'hypersensibilité, c'est que je suis génétiquement fraternel. Enfin, je sais pas, c'est drôle. En tout cas, ça fait du bien de m'en apercevoir. Ça va beaucoup m'aider pour le futur, pour mes relations avec les autres. Demain, il y a Julie qui doit passer pour qu'on en parle, parce qu'elle est pareille que moi. Et après cette discussion, je ferai part de ma réflexion sur le sujet.
J'avais envie, juste envie de vous partager avec vous cette petite avancée psychologique. Voilà. Hugues et fraternité tout le monde. Pouah!